Danse avec les stars. Pamela Anderson blessée, va-t-elle abandonner avant le lancement / point d'interrogation. Une grosse déchirure musculaire. Petit coup dur pour Pamela Anderson. L'actrice emblématique d'Alerte à Malibu sera l'un des visages forts de Danse avec les stars. TF1 a convaincu la jolie blonde de 51 ans de se lancer dans ce nouveau challenge. Alors que le lancement de la 9e saison de Dall aura lieu le 29 septembre prochain, les 11 candidats se donnent d'or et déjà corps et âme. Iris Mittener, Clara Ginola, Terence Tell, Clément Rémien ou encore Pamela Anderson s'entraînent à fond pour espérer aller le plus loin possible. Afin d'offrir un spectacle exceptionnel aux téléspectateurs, les candidats répètent près de 4 heures par jour. La fatigue se fait donc ressentir. Il n'en fallait pas plus pour que des premières blessures apparaissent. C'est Pamela Anderson qui en fait les frais. Cette mère de deux garçons restés aux États-Unis a annoncé avoir une petite blessure, via son compte Instagram. Je me suis déchiré 80 de mon ischio jambier droit donc je me bats pour faire un premier prime parfait, a assuré celle qui est installée depuis plus d'un an à Marseille aux côtés de son chéri de footballeur, Adil Rami. Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de celui qui partage sa vie ainsi que de son partenaire de danse. J'ai des gens forts autour de moi. Et un athlète sérieux à mes côtés. Mon partenaire de danse est un génie et nous allons aller aussi loin que possible, affirme celle qui devrait être une candidate redoutable, lorsqu'elle sera remise. Mais cette blessure va-t-elle mettre en péril sa participation / Pamela Anderson va-t-elle devoir abandonner avant même le lancement de cette édition / Konenny, assure la chaîne que nous avons contactée. Ce n'est évidemment pas la première blessure à laquelle doit faire face la chaîne et la production. Bien au contraire. Elles sont légion au fil des saisons. Lorsqu'elles sont blessées, les personnalités sont évidemment entourées par les médecins, des ostéopathes, etc. Nous rassure-t-on. Les équipes de TF1 et de la production sont donc aux petits soins. L'aventure de Pamela Anderson au sein de Dall devrait d'autant moins être menacée, qu'elle a encore près de 15 jours pour s'en remettre. Je dois juste y aller doucement pendant les répétitions, confirme la principale intéressée.